Coucou les filles, bienvenue sur Unique Hitchini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans ta crème hydratante et dans tes masques pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et tout plein d'astuces pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster l'hydratation et la pousse de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors les filles, aujourd'hui, comment est-ce que je vais intituler la vidéo d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que je vais intituler la vidéo d'aujourd'hui. Mais toujours est-il que dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu une semaine type dans ma routine capillaire. Alors, c'est vrai que c'est pas tout le temps que je fais des coiffures protectrices comme celle-ci, mais vous allez voir comment justement les coiffures protectrices sont importantes pour minimiser en fait la perte de cheveux qu'on a sur la semaine, sur le mois, sur l'année, etc. Donc en général, je porte des vanilles, donc en général j'ai des vanilles sur les cheveux lorsque je sors ou alors même si je suis à la maison, je fais un twist out et le soir par contre je vais toujours retwister mes cheveux, donc je ne vais jamais dormir avec les cheveux à l'air libre, parce que ça crée une perte en hydratation et ça peut favoriser la casse des cheveux. Alors ici, la dernière fois, j'ai fait ces tresses au fil, ces tresses à la laine en fait. Alors je réponds d'abord aux questions que j'ai eues, on m'a demandé, est-ce que ça n'assèche pas les cheveux? Alors honnêtement, moi aujourd'hui, je ne crains plus la sécheresse, parce que la routine que j'ai est une routine en béton contre la sécheresse en fait. Donc il y a rien qui peut me faire peur en fait pour la sécheresse, ni le fil à tresser classique, ni la laine, ni rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai quand même mis de l'huile de coco sur la laine avant de me tresser, mais honnêtement ça ne m'a pas fait peur plus que ça. On m'a demandé aussi comment est-ce que je faisais le nœud à la fin. En fait je fais exactement comme lorsqu'on fait les tresses au fil, c'est vraiment des tresses au fil en fait. C'est juste que je le fais à la laine et à la fin de la tresse, sur le dernier centimètre, je vais plier la laine en deux, donc je vais remonter avec la laine, je vais tresser sur le dernier centimètre et je vais faire le nœud sur ce dernier centimètre là. Et l'avantage justement de la laine comparé au fil à tresser, c'est que c'est facile à défaire. Alors ici j'ai gardé la coiffure juste une semaine parce que je l'ai réalisée en fait 4 ou 5 jours après avoir fait mon soin hydratant, donc avec ma tisane capillaire. Et donc du coup, il était plus que temps que je fasse encore une autre tisane capillaire parce que voilà, là ça fait déjà plus de 10 jours et je le fais une fois tous les 10 jours. Parce que comme je vous ai dit, au-delà de l'hydratation, ça favorise la pousse des cheveux. Donc si je veux favoriser la pousse des cheveux ou alors en tout cas au minimum maintenir la pousse que j'ai sur mes cheveux, il faut que je fasse quand même le thé régulièrement. Et comme vous pouvez le constater ici, voilà. La laine ne m'a pas asséché les cheveux parce que, comme je vous ai dit, mon système d'hydratation, il est en béton armé. Donc, il n'y a rien qui peut contrecarrer ça, en fait. Par contre, j'aime bien le résultat que la laine a donné. Ça fait un petit peu un genre de, je sais pas, de locks comme ça, naturel et tout. C'est joli. J'aime beaucoup le résultat. Mais on va hydrater ses cheveux. Donc, ici, je vais réaliser des vanilles parce que, en général, la seule fois où j'hydrate mes cheveux sur cheveux comme ça à l'air libre, c'est lorsque je fais un shampoing en fait, parce que j'ai pas le choix. Mais sinon, je préfère hydrater mes cheveux sur des vanilles, parce que du coup, je peux plus facilement atteindre mon cuir chevelu avec l'infusion chaude pour pouvoir stimuler la pousse de mes cheveux, bien évidemment. Donc du coup, je réalise les vanilles. Alors, j'ai apprêté mon thé entre temps, voilà, il a mariné une heure de temps, etc. Et ensuite, je vais asperger mon thé. Donc, en fait, quand je réchauffe le thé une heure après, je le réchauffe genre 15 secondes, en fait, dans une casserole. Maxi 15 secondes, pas plus. Donc là, vous saurez à peu près quel est le degré de chaleur
que mon thé doit avoir. Donc, ça reste très raisonnable. Ça doit pas vous brûler les cheveux non plus, ni le cuir chevelu. Donc, ça reste vraiment très, très raisonnable. Donc, vous réchauffez le thé 15 secondes maximum et c'est bon. Et ensuite, je vais asperger le thé sur mes cheveux. Donc, voilà mes cheveux qui sont déjà réhydratés. Je vous ai passé la partie où je montre l'hydratation. Donc, après avoir hydraté, je vais d'abord laisser poser mes cheveux comme ça pendant 10 minutes. 10 à 15 minutes, d'accord? Le temps que, voilà, l'infusion se pose bien dans les cheveux. Et 10 à 15 minutes plus tard, je vais appliquer mon sébum végétal. Donc, voici la quantité de sébum que j'applique sur mes cheveux, donc sur les vanilles. Donc, je vais appliquer cette quantité-là. Je vais ensuite démêler chaque vanille une à une. Je vais refaire la vanille. Et après avoir refait toutes les vanilles, je vais encore appliquer un petit peu de sébum sur mes cheveux. Donc, la moitié de ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais encore appliquer. Et voilà, c'est tout. Donc, le lendemain, je défais les vanilles. Alors, mes cheveux n'ont pas encore complètement séché, mais ils sont bien hydratés, ils sont voluptueux, ils sont bien nourris. Voilà, donc voilà comment je traite mes cheveux. Et regardez ce que j'ai perdu en une semaine. Franchement, c'est ridicule parce que on est censé perdre naturellement entre 50 et 100 cheveux par jour. Et là, je suis même pas sûre que ça atteint 100 cheveux en fait. Donc voilà tout ce que j'ai perdu parce que j'ai gardé mes cheveux justement dans des tresses au fil. Et du coup, je me rends compte que ça a vraiment limité en fait la perte en cheveux. Donc ça peut vraiment être une stratégie pour vous permettre vraiment de retenir de la longueur, de limiter la perte en cheveux. Et donc, voilà les filles. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!